Pierre, bonjour tout le monde. Que tout le monde soit connecté et puis c'est parti pour le petit cours d'aujourd'hui avec une petite nouveauté. Alors, je vais répondre à toutes vos questions. Oui, Bella Ciao, mercredi. Mercredi, en début d'après-midi. Coucou Angélique. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai, voilà, pour ne pas faire que des révisions non plus, j'ai fait une petite nouveauté, une chanson facile pour les niveaux 1. Donc, première année de guitare, ça va être super cool d'enchaîner les deux exercices à faire sur cette chanson. Et mercredi, on finit Bella Ciao. Et oui, pour ta suggestion, Patrick, on pourra revoir Omari, bien sûr. Hein, on pourra le remettre au programme sans souci. Alors,
C'est parti, j'espère que tout le monde est bien accordé. Hein, mi, la, ré, sol, si, mi. E, A, D, G, B, E. Donc, je rappelle, hein, c'est un cours de niveau 1. On va bien prendre notre temps pour faire tout ce qu'il faut. Donc, c'est une petite chanson qui s'appelle Chasing Cars. L'original est chanté et joué par le groupe Snow Patrol. C'est super joli, c'est un chanteur. Et puis, c'est Loïc qui m'a fait découvrir cette reprise par le groupe qui s'appelle The Wind and the Wave. Voilà, Chasing Cars, c'est la chanson qu'on fait aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'accords, ça va nous permettre de travailler le rythme et puis d'enchaîner les accords le mieux possible. Alors, on va commencer par le petit riff du début qui fait... Coucou Roman. Alors, on va essayer de faire ça. Donc, pour les enfants, attention, attention, on va essayer de faire un petit écart un petit peu plus grand que d'habitude. C'est dommage que je ne vous ai pas à l'écran, mais vous allez me commenter pour savoir si ça fonctionne. En fait, il faut pincer la deuxième corde dans la première case. Deuxième corde, première case, avec l'index. D'accord ? Corde 2, case 1. Dans la troisième case, il faut pincer la corde 1, la première. Alors, vous choisissez le doigt que vous préférez, surtout pour les enfants. Si les enfants veulent mettre le petit doigt, il n'y a pas de souci. Les adultes, on essaie de mettre l'annulaire. D'accord ? Index annulaire. Donc, corde 2 dans la première case. Deuxième corde en partant du bas. Et corde 1 dans la troisième case. Et on doit pouvoir jouer ces deux notes. C'est-à-dire corde 2, corde 1. Alors avec le médiator, je fais un petit bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. D'accord ? Donc ici, soit j'utilise le petit doigt, soit l'annulaire pour pincer la première corde dans la case 3, et surtout la corde 2 dans la case 1. Et je fais un petit bas, haut, bas, haut, bas, haut avec mon médiator. C'est-à-dire que je gratte un petit coup vers le bas pour la corde 2 et un petit coup vers le haut pour la corde 1. Alors, ça paraît tout bête comme ça, mais c'est difficile à faire parce que, eh bien, il faut essayer de rester sur un rythme. C'est-à-dire, il ne faut pas faire un... Mais il faut essayer surtout d'être régulier. En fait, c'est le but de l'exercice. Comme si vous aviez un métronome avec vous, c'est-à-dire 1 et 2 et 3 et 4... Et 1, et 2, et 3, et 4, et 2. Alors, Léo, c'est quoi qui ne marche pas ? C'est la position ou c'est le son ? Donc, je rappelle la position des doigts. Dans la première case, je suis sur la corde 2. Et dans la troisième case, je suis sur la corde 1. Et je choisis le doigt, soit le petit doigt si c'est trop dur de mettre l'annulaire. Et si ça marche pour vous, les enfants, vous mettez aussi l'annulaire. Alors, si le son ne marche pas, c'est que tes cordes ne sont pas bien pincées. Il faut que tu fasses bien attention à la position de tes doigts. OK ? Quand ça ne marche pas, on enlève la main, on fait une petite pause des doigts et on recommence doucement pour voir si ça marche. On doit avoir ces deux notes-là. Ça ne marche pas. Hop, je refais une pause des doigts, je reprends ma position. Donc, corde 2 dans la première case et corde 1 dans la troisième case. Et je rejoue 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Pour ne pas se tromper sur le nombre de fois, on compte 1 et 2 et 3 et 4 et d'accord ? 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc un petit coup vers le bas pour la corde 2. Bas. Un petit coup vers le haut pour la corde 1. Bas. Haut. Bas. Haut. Bas. Ok. 1
et 2 et 3 et 4 et... Alors, vous me faites, vous me dites si ça marche, vous m'envoyez un petit message pour me dire ça marche ou ça marche pas. Salut Gisèle. Alors, je remontre, hein, si vous n'avez pas bien compris. Je vais couper ça. Ça marche pour Patrick. Super. Corde 2 dans la case 1 avec l'index. Et dans la case 3, corde 1. Alors, je choisis le doigt le plus pratique. On dirait que ça fait comme une corde cassée, me dit Léo. C'est que tu n'appuies pas assez fort sur ta corde. Il faut la pincer plus fort. Si ça fait ça, c'est que ça manque de force au niveau de pincer les cordes. Donc tu appuies un peu plus fort, tu utilises bien ton pouce derrière pour pincer, pour te donner de la force pour pincer tes cordes. 1 et 2 et 3 et 4 et... Est-ce que ça marche, Roman ? Vous me dites quand ça marche, un petit peu, hein, déjà. Donc, corde 2 et corde 1. On joue que ces deux-là. D'accord ? On essaie de cibler avec le médiator. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Alors, super. Si ça marche pour Roman, ça doit marcher, hein, pour aussi tous les autres enfants. Le deuxième, c'est facile. On a juste à décoller l'index et on garde seulement la corde 1 pincée dans la case 3. Donc, ça fait respirer un petit peu le doigt. Et je fais pareil. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. D'accord ? Donc, on compte bien le nombre de coups. C'est le plus important. Donc, vous pouvez compter. 1 et 2 et 3 et 4 et. Puis, relâchez le doigt pour faire 1 et 2 et 3 et 4 et sur le deuxième. Le numéro 3, on remet le doigt, l'index sur la corde 2, 4, 1 et ça fera 1 et 2 et 3 et 4 et comme pour le premier et pour le quatrième aussi 1 et 2 et 3 et 4 et. Allez, ne te décourage pas Léo, essaie de le faire. Encore, tu replaces tes doigts bien comme il faut. Tu fais attention. Alors, ça peut aussi venir d'une autre chose. Même si tu appuies fort, alors peut-être que ton doigt là, qui est sur la corde 1, il étouffe la corde 2. S'il touche à peine la corde 2 comme ça, ça va faire ça. Si ça fait un peu ça, ça veut dire qu'il y a un doigt qui touche l'autre corde. Et là, en l'occurrence, ça peut être que celui qui est posé sur la première corde. Il faut que quand tu pinces ta première corde, tu arrives à pincer que la première corde et surtout pas toucher la deuxième. Et c'est pour ça qu'il faut bien arrondir le poignet pour avoir cette position. Allez, prenez une petite minute ou deux pour le faire. Alors, en fait, il y a deux guitares. Il faudra jouer avec deux guitares. Dans la chanson, là, la reprise, on entend les notes sont faites au piano, mais nous, on adapte ça à la guitare.
La première guitare fera ça. 1 et 2 et 3 et 4 et. Puis on décolle l'index. 1 et 2 et 3 et 4 et. Puis on recolle l'index. Toujours la même corde, 2, 15. 1 et 2 et 3 et 4 et. Puis à nouveau avec l'index collé toujours. 1 et 2 et 3 et 4 et. Ça, c'est pour le petit riff. Maintenant, on va faire les accords. Alors, on a une boucle de quatre accords, comme dans la plupart de nos chansons qu'on fait actuellement. Le premier accord, c'est un Do. C'est l'escalier presque parfait. Vous devez faire. Vous devez pincer l'accord de 2 dans la première case, puis l'accord de 4 dans la deuxième case. Puis l'accord de 5 dans la troisième. Le Do maintenant, on est censé le connaître. 2, 4 et 5. Cordes 2, 4, 5, chaque doigt est dans une case. Je rappelle que les cordes sont numérotées de 1 à 6 en partant du bas. Donc dans la première case, 1, 2, corde 2. Dans la deuxième case, 1, 2, 3, 4, corde 4. Dans la troisième case, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait un escalier, chaque doigt est dans une case. Et je gratte les 5 cordes. D'accord ? J'évite de jouer la grosse corde de mi grave là-haut. Je vais laisser un petit peu la caméra. Vous voyez bien. Voilà, je gratte 5 à 3, 2, 1. C'est notre premier accord. L'escalier presque parfait, le Do. D'accord ? Une fois que j'ai joué ce Do, je vais faire un Mi mineur, mais alors un Mi mineur particulier. Un Mi mineur, basse de Si. Alors, il a un nom un peu compliqué, par contre, il est hyper facile. Les enfants et les adultes, vous connaissez le Mi mineur. Case 2, corde 5 et 4. C'est Spider-Man, d'accord ? Corde 5 et 4 dans la case 2. Sauf que là, on va pincer que la 5. Alors, avec le bon doigt, ce sera bien, c'est-à-dire avec le majeur. Ça, c'est un Mi mineur basse de Si. Et là aussi, du coup, je ne joue pas les 6 cordes, mais je joue les 5. Du coup, c'est un accord qui est facile à jouer puisqu'il n'y a qu'un doigt qui pince l'accord de 5 dans la case 2. On va essayer d'enchaîner déjà ces deux accords. Le Do, 2, 4, 5. Et le Mi mineur, basse de Si, avec que l'accord de 5 dans la case 2. Ok, vous essayez de me faire ça. On joue l'escalier presque parfait, le Do, corde 2, 4, 5. Puis on remonte ici, notre majeur sur l'accord de 5, case 2. Et on a notre Mi mineur, basse de Si. Les enfants, vous me dites quand ça marche. Et si vous avez besoin que je remonte. Alors, on a fait le Do, 2, 4, 5. Est-ce qu'elle est presque parfaite ? On a gratté les 5 cordes. Puis, on a remonté le majeur. Corde 5, case 2. On a gratté les 5 cordes. Notre troisième accord, c'est un Fa majeur 7. Et ce Fa majeur 7, il est hyper facile puisque c'est l'escalier presque parfait. Sur les cordes 2, 4, 5. C'est un peu comme le Do, sauf que
Pardon, 2, 4, 5. 2, 3, 4. Le Do, c'est 2, 4, 5. J'étais en train de faire le rapport entre les deux. Et le Fa majeur 7, c'est 2, 3, 4. C'est l'escalier parfait, cette fois-ci. Corde 2 dans la première case. Corde 3 dans la deuxième case. Corde 4 dans la troisième case. Et là, j'essaie de gratter que les 4 cordes du bas. Les aigus, les 4 du bas. Et ça suffit. Donc, on en est à 3 accords à enchaîner qu'il faut apprendre et mémoriser hein, bien par cœur. On a le Do, l'escalier presque parfait. 2, 4, 5. Je te remontre, Léo, t'inquiète pas. Allez, sois bien attentif. Regarde, 2, 4, 5. Tu le connais, cet accord de Do. On l'a fait beaucoup, beaucoup de fois en cours. L'escalier presque parfait. 2, 4, 5. Chaque doigt est dans une case. Ok. Je joue les 5 cordes. Puis le deuxième accord. Corde 5 dans la case 2. Seulement la corde 5 dans la case 2. Tu pinces qu'une corde et là tu as ton deuxième accord. C'est un mi mineur, basse de si. Tu joues les 5 cordes. C'est assez facile. Hein. Après je passe en Fa. Et Fa, majeur 7, c'est l'escalier presque. C'est l'escalier parfait, je vais y arriver. Escalier parfait, corde 2 dans la première case, corde 3 dans la deuxième case, et corde 4 dans la troisième case. 2, 3, 4. Et là, tu joues les 4 dernières cordes pour avoir ce joli son du Fa majeur 7. Et le dernier accord, c'est très facile, puisqu'on retourne en Do. Donc, on n'a qu'à remonter ces deux doigts-là sur les cordes 4 et 5. On était en Fa, escalier parfait, corde 2, 3, 4. On repasse en Do, en escalier presque parfait, pour 2, 4 et 5. Alors là, les enfants comme les adultes, après je vais vous adapter les adultes, des petites difficultés, mais l'objectif, c'est d'abord d'arriver à enchaîner le rythme et d'enchaîner les accords sans blanc. Pas en faisant sans blanc, hein. Sans blanc, sans temps d'arrêt. Pas sans le chiffre temps d'arrêt, hein. Sans S-A-N-S, temps d'arrêt. C'est lundi, hein. Je m'échauffe. Donc je remontre les quatre accords. Je vais les écrire là. On a le Do, escalier presque parfait sur les cordes 2, 4, 5. On a un Mi mineur basse de Si, alors c'est hyper facile, le deuxième accord. Case 2, corde 5, c'est tout. Je joue les 5 cordes. Après on a le Fa majeur 7, l'escalier parfait sur les cordes 2, 3, 4. 2, 3, 4, chaque doigt dans une case, bien sûr. Et là, je gratte les 4 cordes du bas. Puis pour finir ma boucle, j'ai besoin d'un quatrième accord. Je refais le Do, 2, 4, 5, l'escalier presque parfait. Ça veut dire que vous commencez par un Do et vous finissez par un Do. Crawlé. Alors, je vais les marquer pendant que vous vous entraînez déjà à juste enchaîner les accords. Passer de l'un à l'autre, il faut que ce soit un automatisme, que ça devienne vraiment facile. Donc on a Do. On a Mi mineur. Basse de Si, ça s'écrit comme ça, avec un slash et un petit B. Hop, Mi mineur, basse de Si. Le troisième, on a un Fa. Majeur 7. Et le quatrième, on a Do. Quand vous arrivez à vous rappeler des quatre, donc à enchaîner les quatre accords, vous me le signalez. Et comme ça, on va faire la suite. Et je vais, pendant ce temps, brancher déjà le looper. On va se faire une petite boucle et on va essayer de travailler par-dessus.
Juste le câble. JBBB. Je vais vous faire une petite boucle avec le petit arpège. On va essayer de ne pas aller trop vite. 3, 4 et... Voilà, vous me dites si vous entendez bien le son, si ça sature pas, si c'est pas trop fort chez vous. Et le but, ça va être de placer les accords sur le bon temps. Alors, on va essayer de le faire ensemble. On prépare le Do. 2, 3, 4 et Do. Je prépare déjà le Mi mineur basse de Si. Si ça va trop vite, ne vous inquiétez pas, on reprend le tour d'après sur le prochain Do. On prépare le Fa, l'escalier est parfait. Il est joué là. 2, 3, 4. On prépare le Do 5, 6, 7, 8 et Do. Je reste en Do. Attention, préparez l'accord de Do. 6, 7, 8 et Do. 2. Je prépare le suivant. 5, 6, 7, 8 et Mi mineur basse de Si. Corde de 5 à 2. Je prépare le Fa en escalier parfait. 7, 8 et Fa. 2, 3, 4, 5, 6. Je prépare le Do. 7, 8 et Do. Alors, on fait un tour. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas encore arrivé à la vitesse. On prépare le Do. 2, 2, 3. On place déjà les doigts pour le suivant. 6, 7, 8 et Mi. 2. Je prépare déjà mon Fa sur l'escalier. 2, 3, 4 et Fa. Dès que j'ai joué mon Fa, je reprépare le Do suivant. 7, 8 et Mi. Là, j'ai fini par un Do, mais je sais que ça recommence avec un Do. Donc, tranquillou, je reste sur mon Do et Do. Je vous dirai quand c'est le moment de jouer l'accord. Mais préparez déjà toujours, anticipez le suivant. 7, 8 et Mi. 2, 3, 4. On prépare le Fa. 6, 7, 8 et Fa. 2, 3, 4, 5. Et on fait le Do à nouveau. Et 2, 2. 5, 6, 7, 8. À nouveau le Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait le Mi mineur. C'était Mi mineur. 2, 3, 4. On prépare le Fa. 7, 8 et Fa. 2,
Et on prépare le dos, on a juste à monter ces deux doigts là. 7, 8 et 2. Allez, on fait un tour. On peut faire qu'un accord sur deux pour les enfants si vous voulez. C'est-à-dire vous faites le dos, vous ne faites pas le deuxième, le mi mineur. D'accord ? Vous le laissez de côté, celui-là. Vous préparez votre fa directement, l'escalier parfait sur les cordes 2, 3 et 4. Fa, 2. Et on reprépare le dos. Final. Et 9. 3, 4, 5, 6. On refait un dos. 2, 3, 4, 5, 6. 7, le mi mineur, 8 et mi. On prépare le fa, troisième accord, l'escalier parfait. 7, 8 et fa, 2, 3, 4. Et on refait le do, 6, 7, 8 et 2. Allez, on fait une dernière boucle. On reste en do, l'escalier est presque parfait. 2, 2. Je prépare déjà mon mi mineur, le corps de 5 et casse 2. 7, 8. Je prépare mon fa, l'escalier parfait sur les cordes 2, 3, 4. Et je fa. Et je monte ces deux doigts juste d'une corde pour passer en do et 2. Alors, ça, c'est le premier exercice. Est-ce que vous êtes arrivés, les enfants, à suivre l'enchaînement d'accords là? Est-ce que vous y êtes arrivé? Faites-moi le savoir et après on va essayer de jouer avec la chanson mais ralenti. Elle va pas très vite déjà hein, mais on va la ralentir quand même. Alors c'est pas un mi majeur, attention hein. C'est un mi mineur au départ. On peut jouer un vrai mi mineur. Hein. Sauf qu'on entend dans la chanson, il fait un mi mineur basse de si. Ça veut dire que tu vas, dans ton accord de mi mineur, tu as les notes mi, sol, si. Sauf qu'on prend la basse de si et pas une basse de mi pour faire cet accord. Donc en fait, c'est un mi mineur basse de si. On lui a pris sa basse plutôt par la note si. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire la note la plus grave, non pas un mi, mais un si. D'accord ? Et ton si, il est ici, dans la case 2, corde 5. Donc du coup, tu n'as pas besoin de mettre les deux doigts, tu en mets qu'un. Et tu joues à partir de la corde 5. Alors, j'ai pas vu Patrick qui me dit quoi. Ça marche, mais il y a un mais. Je regarde, ça marche, mais j'ai trop de gros doigts, pourquoi ça? Non, 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 comment ça? Moi, je vais te montrer, regarde des vidéos de B.E. King, hein, vraiment à la guitare, ou même B.B. King, tu vas voir un peu les patas qu'il a, je peux te garantir qu'il a des doigts bien plus gros que les tiens, et qu'il fait des la majeure 6 comme ça, ou 7, avec les quatre doigts dans la même case. Donc, ça marche, ça marche. Ça va. C'est juste une question d'habitude, d'adaptation. On s'adapte, on va adapter les doigts. Ils vont se placer. Au début, tu peux ne pas avoir un très bon son parce que tel doigt étouffe une corde ou touche une autre corde. Toi, tu as l'impression que c'est parce que tu as des trop gros doigts. En fait, ce n'est pas ça. C'est juste l'arrondi, en fait, ici. Et donc, ça, c'est à force de jouer que tu vas calcer ton poignet, en fait, comme ça. Et tes doigts, ils vont s'arrondir plus pour ne toucher qu'une corde. Mais c'est au fil du temps. D'accord ? Donc, il faudra jouer des mois et des mois pour que hop, tu puisses détendre tous les petits muscles, les ligaments, etc. et arrondir un petit peu plus tes doigts. Je me rappelle que moi, quand je jouais le do au début, pendant longtemps, j'avais une corde qui était étouffée par les doigts parce qu'ils n'étaient pas assez arrondis. Ouais, ok, super. La vitesse, c'est pas grave. La vitesse, c'est ce qu'on travaille en dernier. Donc, si tu arrives à suivre, Roman, déjà les notes, c'est cool. C'est super. Alors, il y a plusieurs exercices avec cette chanson. Le premier, c'est d'enchaîner les accords tout simplement.
d'accord, d'arriver à les mémoriser, savoir que là, ben, quand je fais cette position-là, je suis bien sur un Do, l'escalier presque parfait. Sur le deuxième, c'est un Mi mineur, base de Si, mais bon, Mi mineur quand même, d'accord. Et le Fa, aujourd'hui, c'était un petit peu le but pour les enfants d'apprendre le Fa, comme ça, avec l'escalier parfait, et d'arriver à gratter que les quatre cordes, le Fa majeur 7. Et de remonter en Do. On va faire un peu de rythme. Alors, on va essayer d'abord sur l'accord le plus facile de la chanson. C'est le Mi mineur basse de Si où vous pincez que l'accord de 5, case 2. On va se placer sur celui-ci. Et on va essayer de faire Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba. Tout simplement, aucun coup dans le vide. Je gratte tout. Je fais 1 et 2 et 3 et 4 et... Alors, il est prêt ce tiramisu ou pas? Bao, 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 bao. Ok? 1 et 2 et 3 et 4. Alors là, pour les enfants, ce qu'il faut arriver à entendre, c'est cette petite souplesse du poignet qui permet de faire bao. Sans qu'il y ait de blanc entre les deux. C'est-à-dire, on ne doit pas faire ba, o, ba, o, mais bien ba, o, ba, o, ba, o, ba, o. Comme si le bras et le poignet ne s'arrêtaient pas. Comme un tic-tac de l'horloge, comme le métronome, d'accord ? 1 et 2 et 3 et 4 et. D'accord ? Pour les enfants, on commence avec cet accord-là. Comptez bien le nombre de coups, les enfants, et ça doit faire ba, o, ba, o, ba, o, ba, o. Autrement dit, 4 fois ba, o. Pour les adultes qui sont là, eh bien, vous pouvez essayer de faire la même chose avec les 4 accords. Et vous allez voir, c'est mariole, parce que l'enchaînement, il n'y a aucun coup dans le vide qui vous permet d'avoir un petit temps d'arrêt ou en tout cas où la musique s'arrête pour que vous puissiez changer d'accord. Ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Alors en fait, l'astuce, c'est sur le dernier et qui est un coup vers le haut, c'est de décoller ses doigts sur le dernier et. Je fais au ralenti, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et alors là, je ne l'ai pas fait, je vais le faire sur le prochain. Et 4, 3 et 4 et je décolle. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Vous voyez ce que je veux dire sur le dernier « et » qui est un coup vers le haut. Vous profitez pour décoller les doigts et comme ça, vous retombez sur le « 1 » premier temps avec vos doigts posés sur l'accord. D'accord ? Ça fait « 1 » et « 2 » et « 1 » et « 1 » et « 3 » et « 4 » et « 1 » On va tout dire comment se placent les doigts sur le Fa. C'est un Fa majeur 7 qu'on fait. En fait, c'est un escalier parfait sur les cordes 2, 3 et 4. Et il est important de jouer que les 4 dernières cordes. Hein. Je rappelle les accords.
On a un Do au début. L'escalier presque parfait. Comme ça, les enfants qui veulent revoir les accords, ben, c'est le bon moment. Escalier presque parfait sur les cordes 2, 4, 5. Chaque doigt est dans une case. On part bien de la première case. Attention de ne pas partir de la case 2 ou de la case 3. Mais bien de la première case. Corde 2, 4, 5, c'est mon Do. Et j'ai le droit de gratter les 5 cordes. Le deuxième accord, c'est comme un Mi mineur. Je pourrais faire un Mi mineur. Ça marcherait dans la chanson. Mais il y a une petite particularité, c'est qu'on entend un Mi mineur basse de Si. Donc, oui, elle vous voit. On vous voit le Seigneur, hein, non, on ne tutoie pas. Enfin, ça dépend, mais tant qu'elle a le... Bon, enfin bref. Et donc, je disais corde 5, case 2, toute seule. D'accord ? Alors, n'allez pas chercher un doigt qui n'existe pas. C'est-à-dire, ne mettez pas votre index comme ça avec un gros déplacement de main. Hein, j'espère que vous ne l'avez pas fait. Hein. Dites-moi dans les commentaires si quelqu'un aurait fait cette erreur. D'accord ? En fait, on a déjà l'économie de mouvement à la guitare. C'est très important. On a déjà le doigt 2 dans la case 2. Il est sur la corde 4, là, quand on fait le Do. Bah, il a juste à remonter sur la corde 5. Je vais au chemin le plus court. D'accord ? Tous les chemins mènent à Rome, de toute façon. Donc, une fois que j'ai fait Do... Mi mineur, basse de Si. Et comme il y a une basse de Si, je vais éviter de gratter la corde 6. Que les 5, comme pour le Do. Après, je fais mon Fa, majeur 7. Corde 2, 3, 4. Pareil, un doigt dans chaque case. Et je gratte bien les 4 dernières pour avoir ce joli son du Fa majeur 7. Et enfin, mon quatrième et dernier accord, c'est à nouveau Do. Donc 2, 4, 5. D'accord ? Alors pour les enfants, le but c'est d'arriver à faire. Une fois qu'on a essayé avec le Mi mineur basse de Si, on refait notre accord de Do. On fait une petite pause de doigt quand même les enfants, hein, parce que vous devez avoir des marques au bout du doigt. Après vous ferez avec l'accord de Do, la rythmique qui fait Ba, Do, Ba, Do. Ba, O, Ba, O. Donc, 4 fois Ba, O, sans arrêter le bras. Sans arrêter le bras, d'accord ? Il ne faut pas que ça fasse Ba, O, Ba, O, un petit blanc, Ba, non. En fait, c'est vraiment Ba, O, tout le temps. Puis, vous le faites avec le deuxième accord. Puis avec le Fa, le troisième accord. Et à nouveau le Do. Il me semble que c'est les accords de la chanson Yellow de Coldplay aussi. Possible. Il me semble que c'est les mêmes accords que Yellow de Coldplay. Très jolie chanson aussi. Alors ça, c'est pour les enfants. On y va doucement, chacun à sa vitesse. Pour les adultes qui sont là et qui sont en train de bouillir de la casserole, ça va trop doucement. La même chose, à votre vitesse. Et vous, l'objectif, ce n'est pas d'aller vite, c'est qu'il n'y ait aucun blanc entre chaque accord. D'accord ? Donc, je vois qu'il y a pas mal de niveau 2. Essayez de faire la même chose hein, avec un Ba, O, 3 et 4 et 1, en changeant les accords, mais sans blanc. Et 1, 2, 3. Allez, prenez quelques minutes et puis après, on essaiera de placer les accords sur la chanson. À 75%.
Et sinon, c'est quoi comme la rythmique de Coldplay? On fera Coldplay si tu veux, Yellow. Je veux pas trop mélanger tous les trucs. On va pas faire trois morceaux dans un morceau. À moins que tu me proposes rapidement la livraison de ce fameux tiramisu à la fraise. Là, par contre, tu peux me soudoyer. Non, je ne la connais pas de tête, la rythmique de Yellow. Hein. Je la relèverai si tu veux, parce que je ne veux pas te dire n'importe quoi. Il fait un truc bien particulier. Alors, est-ce que ça marche pour tout le monde? Allez, on va essayer avec eux, avec la chanson. Alors, les enfants, petite pause de doigts. Hop, le temps que je mette la chanson. Non, c'est pas comme la rythmique de Wonderwall. Non, parce que là, en plus, tu me demandes de faire Wonderwall maintenant. Donc, on a Coldplay, Wonderwall et Chasing Card dans le même cours. Ça, c'est Valérie, ça. Très speed en ce moment, Valérie. J'ai un petit peu peur pour la reprise qu'elle me demande de faire 6 chansons en 1 heure. Pas de souci, pas de souci. Alors, attention, on prépare la corde Do. Alors, pour les enfants, soit on fait des équipes. Une équipe de Do, une équipe de Mi mineur, passe de Si, une équipe de Fa. Et une équipe de Do. Mais comme ça va vraiment doucement, franchement, vous pouvez essayer d'enchaîner au moins 2 accords, les enfants, voire 3, voire 4. D'accord? Vous faites ce que vous pouvez à votre vitesse. Le but, c'est juste de travailler un peu. OK? Allez, c'est parti. Je mets la chanson. Oui, si tu veux, je te donne NG aussi pendant entre deux trucs. Tu me fais beaucoup rire, Valérie. Mais j'adore ton enthousiasme, en tout cas. Bravo. Tu pouvais avoir le même pour cuisiner des tiramisu à la fraise, ce serait sympa. On y va. Alors là, j'ai ralenti, ça va vraiment doucement. Là, on a fait le Do. Le Mi mineur. On prépare déjà le Fa. Fa. Après, on le fera à la vitesse normale. Puis le Do. Allez, restez en Do. 1, 2, 3, 4 et Do. Puis le Mi mineur. Basse de corde 5 casse-pied. On prépare le Fa. Escalier parfait sur les cordes 2, 3, 4. Les 4 dernières cordes. Et on repasse sur Do. On reste en Do pour la nouvelle boucle. Je ne parle pas de cheveux, bien sûr. Mi mineur. Passe de Si. On prépare le Fa, l'escalier parfait. Puis Do. Encore Do. Mi mineur basse de Si. Fa. Et Do. Les enfants, on continue comme ça. Les adultes, je vous mets au défi de faire le rythme, même hyper lentement comme ça. On joue 2 fois chaque accord. Fa. Et Do. Encore en Do. Do et Do et 3 et 4 et Fa. Oh, Fa, oh, Fa, oh, Fa, oh, Fa. Gardez le tempo. Ba, oh, ba, oh, ba, oh, ba, oh, ba, oh, ba.
Et les enfants, juste, on place les accords. Fa et do et do et la, fa et do et la, do. Ça va doucement. Do. Do. Le riff, tu peux jouer tout le long, il faut deux guitaristes. Alors le riff, en fait, du début, là, ce qui fait... il est tout le long de la chanson. Donc il faut être deux guitaristes pour pouvoir jouer. Un, les accords, et l'autre, le riff. Mais, à ce stade-là du cours, les enfants, vous avez bien travaillé. Et franchement, ça fait beaucoup d'informations pour vous. Entraînez-vous à la maison à enchaîner ces accords et à le rythme bao, 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 sans arrêt. Et ça suffit pour vous. Les adultes qui sont là, qui veulent faire un peu plus, mais les enfants qui veulent faire un peu plus aussi, vous pouvez tenter. On peut essayer de combiner les deux. Alors, comment je fais pour combiner les deux ? Ben quand je vais faire mon Do, je vais rajouter le petit doigt ici sur la corde 1 de la case 3. Et du coup, tu fais ton... Tu fais un Bao. Sauf que quand tu fais ton Bao, mais là, on parle de niveau 2, attention. Hein, donc, c'est pas obligé. C'est pas sûr que ça marche pour tout le monde, ça. Mais je montre quand même, ça vous fera quand même un petit entraînement. En fait, quand tu fais ton Bao... Tu vas jouer le bas, tu vas cibler les cordes graves, c'est-à-dire plutôt la 5 et la 4, voire si tu touches la 3, c'est pas grave. Mais tu ne vas pas jouer toutes tes cordes, tu vas faire le bas que sur à peu près 5 et 4. Et quand tu vas faire ton haut, tu vas viser la 1 et la 2. Et si tu touches la 1 et la 2 et la 3, c'est pas grave. Mais en gros, tu dois viser les graves quand tu descends, les aigus quand tu montes. Tu cibles avec ton médiator le petit coup de poignet qui fait sur les graves et là. Oui, tu peux partir, Léo, si tu as bien bossé, c'est très bien, bravo. Alors, ça, on peut le dissoudre dans la rythmique bao bao. C'est-à-dire, à chaque fois que tu fais un bas, tu penses que tu vas cibler tes cordes plutôt graves et à chaque fois que tu fais un haut, tu penses à cibler plutôt tes cordes aiguës. Et ça fait... Et là, tu as le riff plus l'accord. C'est un petit peu plus difficile. Sur le Do, ce n'est pas très, très dur parce que... J'en perds ma voix. Sur le Do, le petit doigt est facile à placer sur la corde 1. Après, sur le Mi mineur basse de Si, il faut garder le petit doigt à nouveau ici. Il faut placer lui, c'est un petit peu plus dur celui-là. Après, sur le Fa, tu gardes toujours ton petit doigt en fait sur la corde 1, case 3, et tu essaies d'enchaîner. Alors, je vais vite là, Tu essaies d'enchaîner les quatre accords comme ça si tu veux. Au revoir. Il faudra revoir l'orthographe un petit peu, Léo. Mais c'est pas grave. Gros bisous, Léo. À plus. Merci à toi, Léo, d'être là. Ça sonne
bien comme ça. C'est un petit peu plus dur. Mais... D'accord. Alors, le mieux, c'est d'être deux guitaristes parce que le vraiment les petites notes. Alors, avec cette version-là, on n'est pas sur la même tonalité que l'original. L'original, il est sur une autre tonalité et il fait des notes, genre, il fait un truc, je ne sais plus trop, mais par là, là. Il fait un truc un peu comme ça. Mais tout le long, lui, il joue ça. Et puis l'autre guitariste, il fait les accords. D'ailleurs, il le joue à la guitare, hein, Snow Patrol, le groupe original. Mais moi, j'aime beaucoup celle-là, là, que Loïc m'a fait écouter, avec la voix, elle a une super voix, la chanteuse de ce groupe-là. Donc voilà. Le gros challenge et le gros du travail pour toi, Manu, c'est l'enchaînement d'accords sans les blancs. Donc, ralentis bien ta rythmique pour arriver à faire ce que l'exercice principal pour toi, il est là, mais pas que pour toi, hein, pour beaucoup d'élèves ici, ce serait d'arriver à faire va, va. Et enchaîner les accords sans arrêter le bras droit, quitte à décoller vachement plus tôt vos accords. D'accord ? Il faudrait que le bras droit, il s'arrête pas de faire bas. Et que le placement d'accords n'intervienne qu'en second plan, qu'il ne soit qu'accessoire. La rythmique, voilà, pour vous, les adultes qui sont là, eh ben, sur un cours de niveau 1 comme ça, c'est ça. Autant pour les enfants, c'est plutôt l'enchaînement d'accords et la mémorisation, et d'arriver à faire du bao, bao. À ce qu'il y a un blanc au placement et c'est normal du deuxième. Ça, c'est plutôt pour les enfants. Vous, les adultes. C'est de gratter du bao bao sans s'arrêter. Et même si je décolle vachement à l'avance, c'est pas grave. C'est comme ça qu'il faut le travailler. Bon, c'est un petit morceau super sympa, très joli. Écoutez-le. Chasing Cars de The Wind and the Wave. Ça, je ne sais pas pour le nom. Je vérifie. C'est ça. The Wind and the Wave. Le vent et la vague. Chasing Cars. Je vous mets la feuille dès que possible. Bon, c'est cool. Super. Un petit rythme pour tu veux, je vais te donner un rythme, Valérie. D'accord, ok, ça marche. Hein. Ça te va, ça? Non, en fait, vraiment, là, pour le coup, l'exercice, il est contraignant, mais c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut rien faire d'autre sur cette chanson. Tu ne peux pas faire babao, oba, ce que tu veux. Non, c'est vraiment... Hein. Et c'est dur. Et c'est dur de faire ça. Hein. C'est bien plus dur que de faire un truc babao, oba. Tu pourrais, hein, mais... Essaye d'être régulière avec du bao. D'enchaîner tes accords comme ça, tu vas voir, bah, c'est chaud. Avec un petit peu de nuance, de variation pour que ce soit joli, c'est l'entraînement qu'il faut faire, il ne faut pas faire autre chose. Allez, c'est l'heure du cours de piano. Tu peux aller faire le tiramisu si tu veux, c'est gentil. Merci beaucoup. On se voit demain pour le cours de niveau 2. Il y a un super cours demain de niveau 2. Ne le ratez pas. Is This Love de Bob Marley. Je vous ai fait une petite version à tomber. Il sera vraiment, vraiment super à jouer. Donc, on se voit demain à 18h30. Bisous à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt.